pas des masses, figure-toi que... Stop, attention. Je te signale que tu t'apprêtes à franchir la ligne jaune. Quelle ligne jaune? Je te dis en passant ça va, et toi, au lieu de me dire pas mal et toi, tu t'arrêtes et tu t'apprêtes à me raconter ta vie. Je m'apprête à répondre à ta question, oui. Je t'ai pas posé de question, je t'ai dit ça va comme j'aurais pu te dire bonjour. Oh bah alors tu m'aurais dit bonjour, hein. Je t'aurais dit que ce jour-là, ça pouvait être bon pour Incroyable, j'en crois pas mes oreilles. Attends, je t'ai pas encore dit le principal. Je ne veux pas le savoir, tu comprends? Alors pourquoi tu me demandes si ça va alors? Je te demande rien. Ça va est une formule de politesse, mise au point après des siècles de civilisation judéo-chrétienne. L'islam y a un recours également, formule qui permet à deux êtres équilibrés, sains et civilisés, de se croiser sans entrer dans les détails sordides et personnels de la vie intime de chacun. Oh mais chez moi c'est pas sordide, c'est médical. Arrête. Tu crois que j'ai pas assez d'ennui? Mon boulot, ma famille, ma santé, mes enfants. Tes enfants aussi? Et comment? Tu connais le proverbe? 10 enfants, 10 ennuis, grands enfants. T'as pas d'enfants, toi? Hélas, non. Mais t'es malade? Hélas, non. Tu connais pas ta chance? Hélas, non. Fais-toi soigner. Justement, c'est de ça que... Arrête. Je ne veux pas savoir. Compris? Je ne veux pas savoir. Je sors moi-même de l'hosto où j'ai subi un examen tout ce qu'il y a de plus désagréable, à l'intestin. Mais tu sais quoi? Ces comptes tout ils m'ont découvert une tumeur. Une tumeur. Mani? Ils savent pas encore. Ils seront dans 3 semaines. Et moi, je dois attendre et déféquer dans des bobos en attendant. Ah bah la mienne, justement, elle est... Arrête, mais... Où t'as été élevé pour jeter des malheurs à la tête des gens que tu connais à peine? Je connais à peine. Ok, on a été à l'école ensemble. Et au lycée. Mais ça fait plus de 30 ans, mon petit vieux, plus de 30 ans. Mais on a fait notre service civil obligatoire ensemble aussi. 2 ans, bah, 24. Plus 40 en été, moins 50 en hiver. Ça m'était sorti de la paix. Et en plus, on travaille dans la même boîte depuis 25 ans. Pas au même étage. Non, pas au même étage. Quoi qu'il en soit, rien ne t'autorise à te jeter sur moi pour me déverser des malheurs sur la tête. Bah, je voulais juste répondre à ta question. Quelle question? Ça va. Pas mal, et toi? Oh bah moi ça va pas, je suis dans la merde, qu'est-ce que santé. Tu me rends dingue, tu sais. Bah, je regrette amèrement de t'avoir lancé ça va en passant, hein. Oh bah c'est vrai qu'aujourd'hui t'es mal tombé, parce qu'aujourd'hui... Mais... Tu veux abolir des siècles de civilisation? C'est l'âge de pierre que tu veux restaurer? C'est ça que tu veux, l'âge de pierre? Mais pas du tout. Mais on t'a déjà dit que t'étais un extrémiste? Jamais. Eh bah moi je te le dis. Un extrémiste. Doublé d'un terroriste. En plus, tu vas finir par nous faire pointer en retard. Mais moi, je pointe pas, je peux plus travailler. Tais-toi ou je te tue. Bah, tu sais, moi. Franchement, au point où j'en suis, ça me ferait ni chaud ni froid. Bon, dis-moi franchement, à part la santé, ça va? Ça va. Eh ben, tu vois quand tu veux. Salut. Bonjour chez toi. N'abuse pas de ta condition célibataire, tu veux? Parce que moi aussi, je vais finir par te raconter ma vie, et crois-moi, elle est pas jolie. Ben, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, ta gueule! Tu penses? Provocateur, pervers, fumier, célibataire!